Salut tout le monde, c'est Alex le serveur et l'on se retrouve pour la suite des aventures de Valentine, Léonard et leur petite famille. Ah, oh, the dish. Alors, la fois dernière, vous en souvenez, on a découvert le petit pack de jeux Être parent. Et il y a déjà un nouveau pack qui a été annoncé, le pack fitness. Enfin, c'est pas un pack, c'est un kit d'objets d'ailleurs. Et pour éviter donc de faire 36 000 choses à la fois. Vu que j'avais préparé de déménager, je voulais vraiment présenter le pack fitness dans, enfin, le kit fitness, pardon, dans un épisode dédié. Du coup, cette fois-ci, eh ben, c'est le déménagement. Comme ça, on sera prêt pour. Mon Dieu, elle est blasée, la pauvre maman. On sera prêt pour présenter le pack la fois prochaine, mais là, ça y est, c'en est fini de San Michuno. On va se barrer. J'en ai marre de ce triplex. J'en ai marre des couleurs, j'en ai marre du style, j'en ai marre du quartier. J'en ai marre de pas avoir de jardin, même si j'aime beaucoup avoir une piscine d'intérieur. Au final, j'en profite pas vraiment. Donc je pense qu'il est temps de dire au revoir. Alors, du coup, s'il est temps de dire au revoir, on va vite se préparer un petit... Tac, tac, tac. Pourquoi j'ai plein d'objets... Ah non, c'est les salles, c'est vrai. Faudra que je vide les salles un jour quand même. Alors. Un petit inventaire. Tac, tac. Et pile de place sale, tiens, on va la laisser. Voilà. Hop. Chaise d'astronaute, tout ça. Les crânes, machin. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Bah tiens, pour pas l'oublier. Voilà. Je reprends ça. Ouais, je reprends la grosse télé aussi. Alors les œuvres d'art surtout c'est important. Voilà, l'étoile de Léonard quand même. Ça, je l'aime bien, je le prends quand même si c'est acheté. Ça c'est quoi? Un chef-d'œuvre de Léonard, on va pas l'oublier quand même. C'était très moche ici le papier, dis donc. Ok, étage inférieur, je pense que je n'avais pas décoré. Un peu de lumière. C'était quand même très joli, hein, ces couleurs. J'essaierai de faire un truc un peu semblable, c'était avec le kit, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était très bien. Ah, puis sa jolie chambre quand même. Je m'étais quand même bien défoncé hein, pour faire ça. J'aime beaucoup le résultat. J'espère que vous appréciez aussi. Alors, le mur des chefs-d'œuvre. Alors, malheureusement, vous en souvenez, hein, dans le précédent déménagement, j'ai oublié le poisson rouge. Adieu, poissirène. Ça aussi. C'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, je sais pas si j'aurai assez pour acheter la sublime maison que m'a préparée Lucille. Mais on verra. On ne sait jamais. Peut-être prendre quand même les instruments. Ça et ça. Bon, la console, j'en rachèterai une. Ah, les petits Lego, on les reconstruira, c'est pas grave. Il n'y a pas d'autres objets importants, genre des récompenses. Ça a l'air bon. Hop. Alors. Toi, mon cher. Déménager le foyer. Allez.
Ouais, slap, slap, slap. Alors, combien là-dessous? Parce que le loyer était hyper cher en plus dans cet immeuble. Alors, je veux déménager à Windenburg. Windenburg, donc c'est le quartier qui a été ajouté par la grosse extension Vivre Ensemble. Et à chaque fois que j'y pense, je pense à Lola Dubini, donc qui est une youtubeuse aussi, que vous pouvez voir sur YouTube, donc là où vous êtes actuellement. Qui a donc fait une chanson du trailer. Alors Lola était passée à comment dire, cette émission Incroyable Talent, il me semble. Et ensuite, Electronic Arts l'a appelée pour qu'elle fasse du coup la chanson de Windenburg. J'aurais pas voulu la chanter, mais c'était très sympa et Lola est très très drôle. Donc je vous invite à aller regarder sa chaîne. On a 62 000. On est pauvre en fait, parce que la maison du coup. Que m'a fait Lucille vaut 226 000. Si on la prend non meublée. Ah! Si on la prend non meublée, on peut. Mais il faut tout vendre les meubles et repartir de zéro. Oh, c'est chaud. Pourquoi une musique triste comme ça? Alors je voulais emménager sur un des deux plus grands terrains qui sont ici, la famille Villarreal et la famille Fires. Problème, c'est que ben les terrains sont occupés actuellement, donc c'est pas la peine d'y vivre. Il y a une petite maison sinon, hein, mais 30 x 20, 20 x 20, on se rend pas compte de la taille en fait, je trouve que c'est pas pratique. Par exemple là c'est un terrain carré, alors que c'est 64 sur 64, là pareil c'est carré. On s'en rend bien compte, hein. Non, c'est les cartes sont pourries, je trouve, dans les Sims 4. C'était bien mieux dans les Sims 3, d'ailleurs, si ça vous intéresse. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur la description de la vidéo et voir tous mes let's play des Sims 3. Là, au moins, on voit que c'est carré, ici. Alors, en maison intéressante, on a celle-ci, qui est encore plus chère. Donc je vous rappelle, on a commencé la partie ici, hein, mais on n'y retournera pas. Ah, du côté de Forgotten... Non, ça c'est Sanmishuno. La maison du vieux sel. Ah, c'est tentant quand même. Je voulais voir du côté de Forgotten. Alors là, on a un terrain. La maison de l'ail. Deux chambres, deux salles de bain. Là, c'est un peu petit. Alors Newcrest au cas où. Voilà, je vous montre vite fait. Il y a juste le spa. C'était d'un terrain vide en fait. Hein. C'est un terrain qu'ils ont ajouté après. Si on veut rajouter comme ça les restaurants, les trucs comme ça, faudra que je le fasse. Faudra que je m'en occupe. Ici c'est les boutiques. Il n'y a que 3 zones. 4. Dans une boutique qui est détenue du coup, il me semble par... Bah c'est celle-ci. Par les parents du coup de Romain. Allez, du coup, putain, c'est chaud quand même. On va commencer avec vraiment pas beaucoup de sous, hein. Ou alors, en attendant, le palais de la jetée. Il y a quasiment pas de jardin, c'est chiant. Mais on peut garder les meubles. Tous nos meubles. J'hésite énormément. Allez. Soyons fous. C'est parti, on emménage donc dans le manoir victorien que m'a créé Lucille. Et on va pouvoir du coup... Ben, le meubler avec ce qui nous reste d'argent. C'est-à-dire pas grand-chose. Et là, on va trimer, du coup, pour pouvoir tout remeubler. Ta-da-dam, tam-tam-tam. Le rêve de Lou. Alors, du coup, on est en pleine nuit. C'est l'heure idéale pour déménager. On a un tout nouveau quartier.
Et surtout, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Des arbres à super fruits? Attends 2 secondes. Ah. On peut rien récolter, dommage. D'ailleurs, faut que j'appelle Jasmine Holiday, il paraît qu'elle est de retour. Voici la maison. Tadadadam. Petite piscine. Le bébé. Mon bébé s'en va. Tout le monde s'en fiche. Je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Jouer avec les arbres. Non, mais j'ai pas cliqué pour jouer avec les arbres. Donc, avec une petite serre. Une piscine. Regardez ce jardin comme il est magnifique. Ah là là, quel beau manoir. Et là, tac, des entrées secrètes qui mènent à cette pièce ici secrète. Je pense que je mettrai un escalier qui amène vers le sous-sol pour préparer une crypte pour Valentine. Là, premier étage. Et deuxième étage. Alors, il n'y a plus de rambardes. Alors, les rambardes dans les Sims 4, c'est un vrai calvaire. Tac. Et bon, on va s'amuser à meubler. J'ai toujours pas... Je sais pas comment on fait le placement des rambardes à l'ancienne. Ah non, c'est pas ça que je voulais... Non, c'était pas ça. C'était pas ça que je voulais. Voilà, alors voilà. Voilà ce qu'ils me font comme conneries. Ah mais le sol est pas connecté d'ailleurs. On avait galéré avec Lucille. Oui, les escaliers sont pas connectés au sol. On va pouvoir monter à l'étage du coup. J'ai pas envie de passer une heure dans la vidéo à faire ça. Je pige rien, alors pose des... Je sais pas, il détecte pas qu'il y a un sol. Qu'il devrait y avoir un sol, du moins. Où est le curseur? Ben, voilà. Si je fais comme ça. Attends, construire un plafond. Mais oui, mais non, mais pas jusque-là. Voilà, je ne pige rien, encore une fois. Les outils de construction sont... Effroyable. C'est peut-être juste moi qui les comprends pas, hein, mais... Et ben je crois que là, c'est pas trop mal. Du coup, j'ai avancé les escaliers, mais c'est pas grave. Ok, et si j'arrive à remettre une rambarde, du coup, ce serait juste parfait. Tant pis si c'est pas la même. Ça veut pas. Ah bah si, on peut comme avant en fait. Comme ça. Par contre, je crois que c'est pas celle qui a l'étage. Pas du tout. Désolé Lucille,
juste dans un souci de d'uniformité. Je sais pas pourquoi je ne comprenais pas les outils la fois dernière. Là, ça me paraît plutôt clair en fait. Voilà. Ben, je crois qu'on est bon. Et on est bon pour tout, tout empaqueter du coup. Enfin, tout dépaqueter. Une tente. Ouais, c'est une tente. Bon, écoute. Des fruits grillés, d'accord. Éclairage d'art. La boîte aux lettres est là-bas. Enfin. Jasmine est là aussi d'ailleurs, tiens. Hello Jasmine. Alors, c'est très joli, mais c'est du mauvais sens. Voilà. Vu que la route est par là. Enfin, un petit chemin, en fait, qui fait tchic 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 tchic. Ah. C'est un peu trop proche. Peut-être. Ça va faire des économies. Voilà. Un petit bassin. Alors je ne sais plus du tout comment elle avait agencé les pièces. Je crois que la cuisine était là. Alors on va faire pièce par pièce. Non, je devrais déjà sortir tout ce qu'on a en fait. Chenifi rétro. Ah non, je les ai vendus les meubles au fait, c'est vrai. Bon, au moins sortir les meubles qu'on a. Là, c'était les deux chambres. Une chambre là. Là on peut mettre un piano. Ça va être très vide hein. Centre de contrôle de mission, ça c'est rigolo. Ça c'est pour notre ami Marc bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Du vide. Le tableau familial qui s'avérera surtout quand les enfants auront grandi. Enfin quand l'enfant aura grandi pour le coup. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Donc admettons que là soit la chambre des garçons ou ici la chambre des garçons. Je crois que c'était ici l'atelier de peinture, j'aimais bien l'idée. Pour mettre plusieurs chevaliers, tout ça, ça... Chevalier. Chevalier, ça va être très beau. Quand on aura des sous. Le grand écran. Ouais, là par contre, évidemment, le manoir n'est pas équipé pour... pour avoir des écrans comme ça. Alors, peut-être devrait mettre une télé plutôt au sol. Ah, je vends ma grande télé, quelle tristesse. Toile en cours, tiens, c'est sympa ça. Alors. Voilà. Ça
Ajoute le côté artiste. On est bon. Bon, toutes les peintures, j'installerai plus tard. Hein. Ça, c'est quoi? Un clavier? J'ai oublié qu'on avait un clavier aussi. Ok, alors. Eh ben, faut acheter. On a 41 000. On va commencer petit. Est-ce qu'on fait un petit côté rétro Fallout? Oh là là, le rêve. Le mec qui dit on va commencer petit, il achète déjà la méga gazinière. De toute façon, ça rentre pas à cause des... des murs. C'est trop beau. 13 000, tu parles. 3 000. 1004, qualité de la nourriture 4. Ça va encore, hein. Mais pas trop mal, vient de l'extension. Extension. Cuisine. En cuisine, tout bêtement. Qui s'appelle Cool Kitchen en anglais. Qui est beaucoup plus sympa le jeu de mots parce que cool, ça rappelle le froid aussi. Ça veut dire froid en anglais, frais. Et comme c'est une extension qui se base sur les glaces aussi, on peut faire des glaces. C'est assez sympa. Comme jeu de mots. Alors, en îlot sympa pour la cuisine. Les îlots classiques, ceux-là sont pas trop mal, je trouve. Quelle couleur? Allez. Est-ce que je peux avoir un truc genre... Bah non. Voilà. Ça marche moins bien dans l'autre sens. Ok, ici on va mettre le frigidaire. Même collection, hein, on va essayer. C'est celui-là. Les luminaires. Je vais mettre les luminaires tout de suite parce que franchement, il fait sombre. Alors, faut qu'on se dépêche parce qu'on n'a pas non plus 36 000 ans. Hop, dans la salle à manger, salle à manger. Tu vas mettre des appliques là dans l'entrée, ça fera joli. Plein de petites salles partout, hein. Vous voyez, on peut vraiment faire des petits recoins sympas. Dans le salon. Des bocaux. Marrant. Qui sont venus avec la dernière extension d'ailleurs. Spirale stellaire. Oh là là. Oula, non. Pff, non, 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 ça fait trop clip de Sia. Il y avait un texte qui... Il y avait un truc qui avait un texte de 10 000... Oula. Alors, Snowball. Snowball, Snowball. Pff, ouais, non. Allez, hop. Je les aime bien, ceux-là. Pourquoi tu disparais pas, toi, petit?
Ah, il me faudrait mes appliques. Oceania. Là, pour le coup, un beau chandelier. N'est-ce pas un peu too much, quand même? Oui, bah, dans genre too much. C'est pas assez haut de plafond, là. C'est là, pour le coup. Non mais il est très moche ce plafonnier là. Hop, et on va remettre encore un petit peu d'applique. Ok, au moins les couloirs sont éclairés. Bien. Mais... qu'est-ce que tu me fais là? Ah mais oui, je suis le cas à côté. Les appareils de électroménager. Ah voilà, lave-vaisselle. Ouais, on va l'intégrer là. On va rajouter un petit évier. On va le prendre dans la même collection du coup. Ah bah y a pas d'intégré. Ok. Ça rend pas trop mal. Alors, même couleur, c'est celle-là. Hop. Petite chaise. J'hésite sur la couleur. Ça va être comme ça. Voilà. Petit coin cuisine. Oui, il faudra peut-être une poubelle. Peut-être pas les poubelles d'extérieur quand même. Il y a pas de compacteur d'ordure, tiens. Je viens de réaliser. Ah bah voilà, elle est pas mal celle-là. Elle est assez grande. Ok. De déco de cuisine. Oui, le ballon de basket, évidemment, dans les cuisines, c'est bien connu. Une huche. Un menu de restaurant sur pied, bien sûr. Tellement de trucs. Il faut être plus spécifique sur la cuisine, quand même. Hein. Genre des corbeilles de fruits, c'est bien, ça. Non, par contre, ce qui serait bien, c'est des petites machines, genre machine expresso, genre de choses. Sorbetière. Qu'est-ce que je vais prendre? Du thé. Fontaine à chocolat.
Allez, on va prendre celle-là. Oh, putain, énorme. J'ai plus de... plus d'endroit pour préparer la... Ouais, voilà, c'est mieux. Là, ils ont toujours de l'endroit pour préparer la nourriture. Ok. Cuisine, salle de bain. Cuisine, salle de bain. Toilette, salle de bain. Alors. Puisqu'on a des suites parentales, on a la chance d'avoir des toilettes dans les chambres. Par contre, faut pas des trop chères. Il est trop moche. Ah, j'aime pas le bleu. Ah, mais il me l'a remis en bleu. Pas de jaloux. Ils auront les mêmes... Ah. Ils seront peut-être à l'autre étage, du coup. Non. Comment elle avait préparé ça? Ah bah oui, ici. Je pense qu'ici c'était fait pour des toilettes. Ou peut-être une petite salle de bain. Je me souviens plus. Je vais faire une petite salle de bain avec toilette. Voilà. Ok. Faites pour la chambre du petit. Attends, si je remonte les murs, ouais, je vois que là il y a une porte. Là on voit bien que c'est une suite parentale. Mais elle est là l'autre suite parentale. Ah c'est, je me souviens, elle avait fait un étage par... par famille, enfin par groupe de famille, en gros. Tu vois, Lucille, je commence à me souvenir. Alors, baignoire. Des baignoires douches, c'est pratique quand même. Ça, c'est les nouvelles, justement. Elles sont un peu chères, celles-là. Mais je préfère. Elles sont plus jolies. J'ai pas le temps de la personnalisation pour l'instant. On va mettre la même, on va mettre... voilà, celle-là. On va mettre dans ce sens-là, tiens. Voilà. Ok. Et ce serait bien d'avoir aussi en bas des toilettes. La maison des toilettes. Cette petite salle là, c'est très bien. Ok. Bon, les décos, tout ça, on verra plus tard. Alors, évier. Qu'est-ce que je peux mettre comme évier? Il y en a tellement. Et en même temps, ils sont tous tellement... Pff, non. Celui-là, à l'égard, c'est le moins... Voilà. Ils fonctionnent plus avec des meubles en fait, les autres. Tout ça. Enfin, évier lavabo en fait, d'ailleurs. Je dis évier, mais c'était lavabo. C'était
tellement moderne à chaque fois que. Donc là sera plutôt comme le garçon est là, le petit Ulysse, il aura cette chambre là. Donc là sera Valentine et. Ah mais il y a la peinture ici. Bon, c'est pas grave, ils inverseront. Alors je fais une salle de musique en haut. Alors, je mettrai Valentine et machin ici. Bah non. Ulysse sera là. Oui, allez, Ulysse sera là, très bien. Valentine et truc ici. Et Romain, truc. Truculent. Ok. Chambre. Adieu les luxueux, je pense, hein. Petit cercueil. Ouh. Ils sont sympas. Bah tout, c'est pas cher, hein. Ça manque de lumière, par contre, encore une fois. Buisson, c'est la fête. Mais c'est dans les toilettes ça, pourquoi ils les mettent dans le. Ah non, on peut dormir aussi dedans, très bien. Alors ils sont mes super lits luxueux que j'avais. Ah, c'était ceux-là, non? Ou ceux-là? Combien? 3005? Ça fait cher. Mais encore, on peut se le permettre. J'adore, j'adore. Ouais. Et eux, voilà, un lit plus design. On va vraiment faire deux styles différents. On affinera après au fur et à mesure. De toute façon, ça changera au fur et à mesure des kits qui sortent. Ce serait bien qu'ils te suggèrent automatiquement les objets qui vont avec, quoi. Par collection, ce serait vraiment pratique. Parce qu'à chaque fois, essayer de trouver des trucs qui vont bien ensemble, c'est un peu relou. Surtout là, quand, comme moi, t'es un peu pressé par le temps. Trop foncé. Peut-être garder le blanc du coup. Ok. Une petite lumière d'appoint. Lampe de vampire. Trop de lumière. T'as pas que le reste. C'est vraiment lampe de bureau, hein. Comment elle s'appelle déjà cette lampe de bureau super connue? Ça, c'est des récompenses qu'on a quand on a les extensions des Sims 3. Pourquoi pas? C'est plus sympa comme ça. Oh. Voilà. Je préfère. Oh, j'adore ces lampes-là. Ok, le salon. Alors, salon qui est une pièce maîtresse, selon moi. Donc là, on pourrait mettre une belle cheminée. Ou
une cheminée familiale ou une cheminée comme ça. Ah, mais elle est trop grosse. Dommage, elle est superbe. Oh. Très, très design. Allez. Comme ça, voilà. Alors, une télévision. Oui. Home cinéma. Home cinéma au sol, sinon. Par contre, ouais, c'est un petit peu. Un peu encombrant. Cette bouche là. Celle que j'avais avant. On n'a pas trop le choix. C'est un peu grand. Ou alors je vire carrément des fenêtres, hein, après tout. C'est un chouïa trop grand. Désolé. Hop là. Voilà. Alors, une table basse. Comment on pourrait la choisir? Dans quel style? Oh non. Ouais. Pas convaincu par la couleur. Allez. Une console, parce qu'il faut pas qu'il y ait des gamers dans la famille. Voilà. Un beau canapé. Canapé donc, j'avais pas pensé, tiens. Trop petit. Un 3 places. Ah, comme ça. Voilà. Ça fait proche quand même du de la porte. C'est bien centré au moins. Bon, on va s'y faire. Touffe d'algues. On va mettre des algues dans le salon. Boule de gomme en pot. Mon dieu, non. Cactus. Oui, changeons. Tiens, on n'a pas encore mis de cactus. On met toujours tout le temps des plantes, mais. Ah, celles-là sont pas mal. On va mettre celle-là plutôt. Hop. Tac. Tac. Petite sculpture. Gnome. Ah, dommage qu'il soit aussi gros. Un gnome fantôme. Des tombes. Un gnome tout nu. Qu'est-ce que... Un petit train. Oh, c'est mignon. J'adore les petits trains, comme vous le savez. Faut que je m'en achète un dans les Sims 3. Voilà. Non, c'est peut-être pas assez classe. Voilà. Ah, oui. Oui, 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 oui. 100 fois oui. Voilà. N'est-ce pas merveilleux?
Ok, alors il me reste 13 000. J'aurais peut-être voir ce dont on a besoin avant. Un bureau, il me faut un bureau. Bureau, c'est juste après. Une salle à manger aussi. Salle à manger et bureau. Après, on relancera quand même un petit peu la partie parce que là, c'est vrai que ça commence à durer. Une belle grande salle à manger. Ouh là là, beaucoup trop long! Non. J'ai envie d'avoir une comme j'ai chez moi, justement. Celle-là, ça rapproche pas mal. Un carré efficace en noir. Oui. Voilà. C'est ce qu'on avait au premier appartement, il me semble. Et au deuxième, d'ailleurs. Monomanie des tables pseudo-IKEA. Mettre un peu plus de couleurs, voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs dans l'ancien appartement. Couleur de la joie de vivre. Ah, c'est un truc tout petit, je l'aurais voulu en grand, tiens. J'aimerais bien un large pot de fleurs. Comme dans la villa Playmobil, qu'il faudrait que je refasse aussi en maison dans les Sims d'ailleurs. Non, des trucs plus. Oh, mais arrête avec vos petits pots de fleurs de. Fleurs. Jardinière. Ça se rapproche plus de ce que je veux, mais c'est pas exactement ce que je veux. Non. Ça, c'est trop. C'est trop solennel. Truc coloré, fleuri, dans un grand pot. Ça, c'est tout petit, hein. Ouais. Ah. Décidément. Il n'y a pas ce que je veux. Je pense que ça existait en plus avant. Bon, ça reviendra sûrement dans une extension, hein, mais. C'est dommage, c'est vraiment trop. Ça, c'est plus coloré déjà. Deux, c'est trop. Voilà. Ok, et un bureau. Du coup, le bureau, ce serait pour notre petite programmatrice, donc c'est à cet étage. Pas du tout. Celui-ci, faut que je m'habitue. Une salle de sport, musique. Salle de sport plutôt au-dessus, ouais, là, salle de sport. Là. Le bureau, on va le mettre ici. Alors. Il est chelou ce bureau. Détective, il y a plein de trucs à débloquer d'ailleurs dans les bureaux. Ça sert de bureau ce truc en fait. Ah, marrant. On pourrait commencer la fuséologie d'ailleurs. Alors, oh, pourquoi pas un bureau totalement moderne? Non, elle est directrice de start-up pour un truc qui fasse pleine glacée, c'est pas mal ça. Ah, mais j'aime pas le design. Un truc qui fasse chef quoi. Ouais, celui-là, il fait trop ancien. Il est pas mal, hein, mais... Partons sur celui-là. Doucement sur les PC, quand même. En chaise de bureau.
pas une vraie chaise de bureau là? Classique à roulettes. Bah, c'est bien ça. Un peu trop. Ouais, celle-là est plus sympa. Ok, celle-là est mieux, mais bon. Pas encore. C'est pour les médecins, tiens, celle-là, ok. Celle-là est pas mal aussi. Détective. On finira par les débloquer de toute façon. On fera toutes les. Au fur et à mesure de notre impressionnante généalogie, on fera bien un petit peu tous les métiers. Ok. Et du coup, j'en profite pour. Compétences, c'est où? Non. Activité compétences. La fuséologie. On va pouvoir commencer directement là. Comme ça, il va pouvoir s'y mettre. On va le mettre là. Et ben voilà! Ah oui, j'ai oublié que c'était la pleine nuit. Non! Détail important. Il y a un enfant. On a oublié le gosse. Alors. J'aime bien cette couleur. Petit pot. Alors. La bibliothèque, tu vois. Pour ne pas cacher un petit peu sa décoration. Enfin, ses fenêtres surtout. On lui achètera plein de jouets, vous en faites pas. Son chat. Ses cubes. Moi, sa chambre est plus grande. Son coin-coin. Son vroom-vroom. Alors, une maison, mais pas qu'il la pète cette fois-ci. Enfin, c'est pas lui qui la pète d'ailleurs. C'est plutôt les méchants adultes. Voilà. Monsieur truc là, monsieur médecin. Ah mais voilà, elles sont là les autres maisons. Ah oui, ça c'est les jeux. D'accord, à mon avis. Non, bon ben ça marche aussi. Faut passer à la maison victorienne du coup. La maison victorienne. Table de jeu là. Voilà. Ok. Bon, il y a plein de trucs à compléter dans cette maison, mais... Retour de la famille Poupie, du coup. Hop là. Il n'y a pas de lumière, le pauvre. Ça, c'est... Non, c'est là, les lumières. J'ai pas grand choix. Hop là, voilà.
Play. Jasmine, elle est où Jasmine? Elle est dans la tente, ok. Alors, oui, donc du coup, on revient ici. Réclamer et réclamer. Qu'est-ce que... Oh non! Tu crois vraiment que c'est bon de te faire enlever par les extraterrestres? Honnêtement. J'espère qu'elle va pas revenir enceinte, hein. Je vous raconte pas le bordel sinon. Arrêtez de dormir. Bon. Ça suffit. Voilà. Il n'y a plus de tente. Ah, Jasmine. Jasmine! Attends 2 secondes. Jasmine. Madame Jasmine! Elle me demande pas de partir, attends. Il va s'en passer des vertes et des pas mûres, je sens dans ce manoir. Il est déjà ruiné en plus, il va falloir qu'on bosse bien pour le remplir. Il va où avec Jasmine? Où va Jasmine d'ailleurs? Elle va se coucher, je pense. Oui, elle dort chez nous, comme d'habitude. Bon, là, il n'y a pas de lumière. T'es bien, tu veux un bain remous? Ouais, bah si tu veux pouvoir te le payer, commence maintenant à faire des toiles. Idem, tu vas faire quoi? Tu vas pas la casser, hein? Non, tu la joues, c'est bien. Jouer avec ton fils pour une fois. Plutôt que tout péter. Alors, côté éducation, il en est où? Il faudrait lui apprendre les bonnes manières quand même à ce petit. Tiens, hop, justement. Voilà. Ulysse. Éducation. Voilà, les bonnes manières. Et qu'est-ce que... Ferme, n'éclabousse pas dans les toilettes. Voilà, le parenting, c'est le moment de voilà de voir comment ça se passe l'éducation justement avec l'extension être parent. Alors, c'était sympa. Troisième fois. Comment elle se sent? Déboussolée. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai que c'est un vampire, je me dis c'est bizarre, mais non, c'est bon. C'est une vampire. Tout est normal. Ok. Tiens, réveille Jasmine. Il est où ce petit? Mais il arrête pas de partir. Responsabilité augmente, bien. Comment on va dire pardon? Parcourir des livres? Oui, on va peut-être prendre une autre bibliothèque, la bibliothèque du gosse quand même. Excusez-moi, c'est un peu mon lit. Ok, 2 secondes, mais... Ah! Pour la peine. J'ai soif. Bonjour Jasmine. T'as dans sous l'escalier, évidemment. Non, mais attends. Bon, ton mari est là. Fais crac crac, non. Robna.
Demande-lui de boire. Ah, mais si, elle est en train d'attaquer Jasmine, là. Oui ou non? Ah oui. Oui, Jasmine part et revient, du coup. Elle a l'air un petit peu... Non. Ça lui plaît, apparemment, hein. Non, pas tellement. Ça a pas marché. Mais t'as pas l'air très crédible en maillot de bain, quand même. Banarla. Nizo, Nizabuna. Cha, Bunamabsi. Hop, un petit coup de vampire. Bon, c'est bien, lui par contre. Il est en train de s'éduquer. C'est long quand même. C'est très très long. Très en colère parce qu'il a très faim et très fatigué. Oui, bah oui. Non, faut pas le mettre au lit, il faut le nourrir. Pff, donne-lui un champignon à manger, tiens. C'est un peu le bordel. Oui, j'ai oublié un détail. Jasmine est encore là. Pff, quel bordel. Bambin. La chaise haute, elle est où? Voilà. C'est important. Des céréales. Donc on retire. Mais. Non! Puis il va falloir s'arrêter, hein. C'est quand même la fin de l'épisode. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce nouvel appartement. Enfin, ce nouvel appartement, c'est pas du tout un appartement, c'est une maison, 3 étages. Petit pouce en bleu si l'épisode vous a plu. Un petit commentaire, vous me dites ce que vous en pensez, quel genre de meubles je devrais mettre. Va vite falloir qu'on trouve de l'argent. Surtout pour acheter tout ce qu'on va acheter dans le prochain épisode, qui est le kit fitness, je vous rappelle, qui sort donc le 20. Donc le prochain épisode, c'est dans une dizaine de jours. Parce que je le fais vraiment à la sortie. Ah bah c'est bien, il s'en occupe. Un petit commentaire pour vous abonner, c'est là, en bas à droite. Vous cliquez là-dessus et pour voir la liste de tous les let's play, c'est très simple. Vous cliquez sur la description de la vidéo. Et puis voilà, c'est bon, on ne va pas perdre Ulysse, il va pouvoir manger à sa faim. Enfin. C'est un peu l'anarchie ce déménagement, mais c'est pas grave. On a enfin quitté cet appartement et on a à nouveau un... Oh, joli reflet de la lune. On a un jardin à nouveau. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très très vite. Salut!